Bonjour à tous, c'est une ouverture en hausse ce matin en bourse de Paris dans le sillage des nouveaux records enregistrés hier à Wall Street. Et on surveillera ce matin les dossiers Eiffage et Safran. Crédit Mutuel a annoncé avoir enclenché la cession de ses parts à hauteur de 2,9% du capital pour le groupe de BTP et de concession et de 0,8% pour celui du motoriste. À suivre également Vivendi, les rumeurs se succèdent dans le dossier Mediaset et la presse pense qu'un accord est proche entre Vivendi et Fininvest. Et du côté des analystes, ce matin, Natixis a abaissé sa recommandation sur Essilor d'achat à neutre. Notre gros plan ce matin sur BNP Paribas, les organisations environnementales qui militent en faveur de l'arrêt du financement des projets polluants verront d'un bon œil les nouveaux engagements pris ce matin par la banque. BNP Paribas a décidé de durcir sa politique en la matière, du moins envers les entreprises dont l'activité principale consiste à exploiter gaz et pétrole de schiste ou sable bitumeux. La banque française renonce en revanche sans condition à financer des projets pétroliers ou gaziers en Arctique. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.